Stämmer noch Eis, oder? Ja, ja. Oh, χαίρε. Ευδαιμονής, όταν. Et bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, vous allez me dire, oui, Anisha, t'es un peu en avance comparé au stream. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, ce matin, normalement, je pensais que je pouvais aller faire mon histoire, mais en fait, en vrai, changement de plan. Et j'étais là, bon, bah tant mieux. Tant mieux. Alors voilà, si je vous lâche tout d'un coup un petit moment, c'est normal. Bah de temps en temps, mais je pense pas, mais si tout d'un coup il s'avère que c'est un peu compliqué, c'est normal, c'est tout simplement parce que j'ai les petits gremlins en fait. Attention à ce qui est devant toi, espèce de crétin, au lieu de te fier au mirage que tu vois au loin. Mais quel mirage, mère? La tenue blanche du philosophe, et surtout, les drachmes. Pour les gagner, il te faudrait le papyrus que tu as perdu. Il a cheval, le mec, c'est pas possible. Ah oui. Que c'était à cet endroit? Je te l'ai déjà dit. On m'a pris ce papyrus. Alors, stop. Reconnais-tu ? Pause. Non, ferme. J'ai pas envie de ça. Bref. Excusez-moi, du coup, je recommence. J'espère que vous m'entendez bien. Attendez, je vais juste vérifier, du coup, mon retour. Bref. Excusez-moi, du coup, je recommence. J'espère que vous m'entendez bien. Attendez, je vais juste vérifier. Alors, oui. Du coup, vérification en fait. Vous m'entendez bien, c'est parfait. Alors. je crois que j'ai résolu le mystère en vrai du casque qui ne fonctionne pas. C'est qu'en fait mon casque de game fonctionne, en tout cas pour le stream avec le micro, sur une commande. Donc je pense que j'ai un problème en fait avec une de mes manettes. Voilà, ce qui ne m'étonne pas parce qu'en vrai la manette d'origine était avec le paquet. Et l'autre manette, c'était pas une manette d'origine, c'était une manette en plus stylisée. Donc bref, ça m'étonne pas, vous savez de ce que j'en pense. Mais bon, on ne va rien dire. Donc la dernière fois on s'était lâché justement pour grimper un peu notre niveau concernant en fait tout simplement notre Medjay, parce qu'on était à un niveau très très bas, rappelez-vous, pour aller tuer en fait le scarabée. Le scarabée qui du coup nous a trahis en beauté devant nous, a tenté d'atteindre à notre vie et pourtant on a réussi tout simplement à s'en sortir. Donc voilà, on va se retrouver ici du coup dessus. Donc le scarabée, c'est bien, c'est Taraga, qui a fait genre qu'on était notre ami, etc. Et du coup, il est toujours en vie, on ne l'a pas encore tué. Donc pour le tuer, il a fallu qu'on augmente notre niveau d'XP, parce que du coup, comme par hasard, on n'était pas très haut. Vous voyez, on est à 19, le niveau qui était demandé, je crois que c'était 20. Voilà, on va faire encore une quête secondaire pour pouvoir gagner un peu d'XP, et puis après, on va y aller. Je vais le récupérer. Medjay, nous avons besoin de ton aide. Mon idiot de fils a glissé mon offrande dans son papyrus, et il l'a perdu. Je ne peux pas vendre mon huile sans avoir rendu grâce. Je ne l'ai pas perdu. Les gardes l'ont pris. Ah bon? Ce papyrus est toute ma vie, Medjay. Ces gardes doivent être châtiés. Ce papyrus contenait mes notes. Ces chiens l'ont jeté dans un bateau. Des notes de quoi? Je vais m'en occuper, Défibi. Et je retrouverai ton offrande, petite mère. Ok, bon, très bien. On va suivre cette quête, du coup, hein. Comme vous le pensez. Ok. J'ai pas tout compris. Le comment du pourquoi, par contre. Mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on arrivera à trouver une petite barque? Ah bah... Suffisait de demander. Regardez qui voilà. Alors, une petite barque. Une petite barque de marchand, mais on va l'emprunter. Hein.
Voilà. Comment allez-vous sinon, les amis? Attendez, je regarde mon écran, mais je fais n'importe quoi. Attendez, pause! Ouais, on a les chiens, on a les jumeaux, tout va bien. C'est dommage parce que ces chiens ils pourraient se taire, mais. Quelqu'un cherche à se faire tuer. C'est cette barque, parfait. Bon, bah très bien. Donc, ouais, on a les jumeaux, les chiens, tout va bien. C'est parfait, on adore. Ce rythme-là, moi, j'appelle plus ça des gardes. Hein. J'appelle ça des voleurs, mais bon. Ah, oh, merci. Ça doit être le bateau dont parlait Ephibie. Je vais devoir me faufiler discrètement. Ça me fait rire parce qu'il dit discrètement, mais on n'est pas du tout discret. Hein. Et puis je sais pas comment il fait pour arriver à maintenir du coup. À quoi est-ce que tu joues? Toi, on ne passera pas. Ensemble. Waouh, dégage. Marron, on a l'avantage. J'ai pas sorti mon bouclier, genre il l'a pas sorti ce couillon. Bah disons c'est fabuleux tout ça. Alors. L'épreuve de Sobek, mais on n'est pas du tout avec l'épreuve de Sobek, ça c'est quoi? Ah, mais on est au niveau 21 en vrai. Purée, de niveau en dessus. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Explorer la rive orientale du Nil. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Attendez, 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 attendez. Voilà. On va aller là-bas. Je pense déjà pour une première chose. Et puis après, on va revenir. Donc en vrai, on est. Purée, tout là-bas au fond. Tout là-bas au fond. Bon, bah très bien. On va se faire un déplacement rapide. Alors, hop, le saut de l'ange, c'est parfait. Ah. Wow. 3 ans pour eux. Bon, alors, excusez-moi, mais juste que je me retrouve avec mes touches, là. Voilà. Parce qu'en vrai, ça change d'un Assassin's Creed à l'autre, c'est... Mieux attirer l'attention, ici. Hein, Maker ? Oh, bordel.
m'a pas vu. Ah, mais vas-y, monte, grimpe, tu attends quoi? Quoi? Te voilà! Crève, chien! Mais vas-y, il est où le... Merci, mais moi je veux le... Ah, vas-y! L'esquive, tu sais pas la faire! Y'a un gros problème d'esquive, hein, moi je vous le dis. Qu'est-ce que tu fais ici? Derrière lui! Vas-y! Oh. Voilà. Non, on va pas porter. Il y a un moment donné. Voilà, merci, tu as le droit. Ah, bien. Okay. Munition complète, pourtant on a tiré. Moi, ça me fume. Hey. Qui es-tu? Hein? Toi, tu vas crever! Oh putain! Ah oh! Mais vas-y, tourne, gros con. Oh putain, mais après, voilà. Merci, une tété, c'est tout ce que j'avais besoin en vrai. Voilà. Alors là, si on a voulu être discret, les gars, on l'est pas, hein, je vous le dis déjà. On l'est pas du tout. Accordez grâce à mon travail, afin que mon nom soit reconnu et honoré dans ce temple jusqu'à la fin des temps. Il est jusqu'où ou il fait exprès? Il est jusqu'où? Voilà. Si on veut, il suffisait juste d'avoir une flèche et on l'a tué. Y'en a d'autres qui veulent venir? Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et voilà. Hop, on gagne de l'argent comme ça. Désolé, hein, je me concentre un tout petit peu. Confirmer la mort, parfait. C'est donc ainsi que meurt un rêve. Bah ton rêve, il est nul, hein. J'aurais pu bâtir quelque chose d'éternel. Et Gupa aurait pu chanter les louanges de tes prouesses. Je regrette bien des choses. Nous œuvrons pour des forces supérieures. Nous sommes tous des jouets des dieux.
Ah bon? Nul n'échappe. Je ne suis qu'un membre de l'Ordre des Anciens. Cette victoire ne t'offrira pas la paix. Ce n'est pas la paix que je cherche. Ce n'est pas pour mon âme que je mène ce combat. L'Ordre des Anciens m'honorera comme le porteur des eaux et le bâtisseur des villes. Où le désert reprendra sa place et dispersera le rêve de l'Étopolis comme du sable. Eh ben... C'est quand même assez un peu... C'est un peu hardcore quand même, hein, quand tu y penses, hein. C'est, disons, pas très sympa. Essayer. Je te prenais pour un ami. Je te hais. Prends soin de lui. Si tu peux, essaie de lui expliquer. Quelles horreurs as-tu fait entrer dans ma maison? Quelle horreur? Bah, c'est lui tout seul qui l'a fait rentrer dans ta maison. Mais désormais, tu dois ouvrir les yeux. Ton mari était le scarabée. Il était coupable. Il a battu et il a torturé ton père. Et d'autres gens avant lui. Non! Tu dois désormais élever ton fils dans la lumière. Loin du sang et des ombres répandues par ton mari. Pardonne-moi, mon fils. Bon, du coup, le scarabée a été éliminé, et c'est très bien. Le séquençage est terminé. Tu peux te synchroniser avec les mémoires d'Aya. Elles sont assez fragmentées, mais tu devrais pouvoir t'y plonger un petit moment. Mon esprit ne te quittera pas. Et... Super. D'accord. Super. Ouvrez. Alors du coup, on va être Aya, je suppose, si j'ai bonne mémoire. Donc la femme. C'est bien, j'aimais bien jouer la femme, je vous avouerai. Comme jeu, ça. C'est un espèce d'échiquier. Comme à la bataille de Salamine, capitaine. Je t'ai pris au piège. Voilà ce bon vieux Thémistocle. Et la partie est gagnée. Mauvais perdant. Foxidas, pourquoi doit-on livrer tous ces trésors? On pourrait aller vivre la belle vie à Lesbos avec tout cet or. Que veux-tu, rat du désert? Si ce coffre ne parvient pas à pomper ce navire non plus. S'il le faut, nous ramperons devant Hadès pour le livrer. Hadès, très carrément. Bien. Au travail, bande de Vlakos! Damastès, mon fidèle porteur de bouclier, active-toi! On nous a engagés pour soudoyer Pompée. Pour sauver une reine et gagner un royaume. Rien d'inhabituel pour des mercenaires. Bon, du coup, nous nous retrouvons sur un navire, donc on doit aller livrer de l'or, je suppose, à Pompéi.
certainement que César s'y trouve. Hein. Alors. Alors attendez, je m'attache juste les cheveux en vrai. Hein, j'arrive parce que. Quand même si je stream, il fait vla vla chaud. Vraiment. Alors. On va ramer. Allure de rap! Plus vite! Ça, c'est pour maintenir la... Doucement! Il y a des récifs devant! J'ai des yeux, je les ai repérés. C'est ton troisième voyage, et tu donnes déjà des ordres! J'adore te voir baver dans ta barbe, Foxidas. Tâchons de ne pas finir dans l'eau. Ce serait une mort indigne pour un héros de ma trempe. Un vrai héros saurait se sauver en nageant. Rassure-toi, je n'aime pas prendre des risques inutiles. Là, tu essaies seulement de m'impressionner. Allez, plus vite! J'ai cru qu'avec la voile dehors, ça faisait en sorte qu'il n'y ait pas de rame. Des voiles à l'horizon, là-bas! Ce ne sont pas les couleurs de Rome! Dans quel guépier nous a entraîné cette reine vérolée? Des navires de Ptolémée, envoyés par l'ordre des anciens. Et que peuvent-ils vouloir à Pompée? Les armées de Pompée offriront le trône à Cléopâtre. Leur objectif est d'empêcher cette alliance. Nous devons faire vite. Ah bah oui. Forcément. Si vous connaissez un peu l'histoire de Cléopâtre... De Poséidon, l'air est déjà chargé de fumée. Près du volcan, les eaux bouillonneront. Nous devons rester à distance si on ne veut pas voler. C'est le Métana? Cela fait des siècles qu'il est endormi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il serait... Tenez-vous prêts! Montrons à ces traîtres qu'ils ont choisi le mauvais pharaon! Alors, ça, c'est donc du coup notre navire. Ouais, c'est ça. Une histoire comme ça. Augmentez la cadence! On nous tire une pluie de feu! Sortez les boucliers! Voilà. La cadence! On tire dessus! Oh non, en fait. On tire, touchez. On nous tire dessus. Allure de rap. Plus vite, c'est nous. Ah. Ils nous ont eu cette fois. On va les détrôner. La cadence. Allez, touchez. Allure de rap. Les navires s'approchent à grande vitesse. Regardez. Touchez. Allure de rap. Ah, ok, d'accord. Allure donc, de rap. Il y en a derrière. Plus vite. Alors, on a une distance, donc du coup, vous avez vu, on a l'essoufflement et tout ça. Allez, hop, tourne-toi. Plus vite, c'est nous! Allez, plus vite! On nous tire dessus! Prêt à tirer! Abritez-vous! Voilà, là, il faut qu'on se gaffe. Voilà. Plus vite! On nous tire dessus! Voilà. Plus d'allure! Plus vite! On tient ces malakias! Visez leur poupe! Elles sont remplies d'huile! Ils brûleront comme de la merde chameau! Allure d'épronage! Ouvrez les côtes des poissons! Ah là là! Allez, ah! On va les épronner! On nous tire dessus! Allure de rame! Allez! On tire! Comprenez-vous! Allez, on et attendez, okay, je me concentre juste un peu. Allez. J'essaie juste de reprendre. De rame, voilà. On va les éprôner. Allure de rame. On tire vite, mes frères. Oui. On a coulé le dernier. Toujours aucune trace de ton maudit romain. Allez. Prends garde à tes paroles, capitaine. Nous avons besoin de Pompée. Il est général. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le couvrir d'insultes. Je suis comme je suis. Je me moque de ces vlacos de rois et de reines. J'ai quitté ma femme et mes enfants à cause de ça. Je désespère les gens de raison. Alors, moi, du coup... Tu nous conviens. Oh là là! La reconnaissance de ces braves notailles me suffit. Ce n'est jamais facile de dire adieu à ceux qui nous rejettent. Mais c'est la seule voie qui s'offre à nous. Vraiment?
Pompée sera à l'endroit convenu au large de Fira. En route. Alors, FMG coulé les prompts des navires accélérés et chargés, tirs de riposte, on maintient RLB pour s'abriter et relâche uniquement après l'arrivée des projectiles ennemis sur votre navire. Ok. Donc en fait, il y a plein de navires. On doit faire attention. Donc je disais, il y a plein de navires qu'on doit faire attention et que du coup, ça donne une autre dimension au gameplay, donc c'est-à-dire combat de navire. J'ai cherché combat naval, non ? Oui, c'est ça. Ça se dit. Là, hein. Je le vois. Pompée fait route au nord. Doucement. Il y aura sans doute des patrouilles. Tu me donnes l'ordre d'éviter le combat ? Parades, femme, bien sûr que non. Mais j'ai pas envie de mourir en protégeant un Romain. Surtout un de ceux qui ont de quoi se protéger. Tu sais, toi, tu devrais rejoindre l'équipage de cette trirème. Tu y serais à ta place. Et du coup... Bombe incendiaire parée. Lance-les quand nous sommes tout prêts. Venez la cadence. Allez. Prêt à tirer. Allez. Non. Au milieu de cellules. Abritez-vous. Plus vite, mes frères. Allez. Ici, nous nous arrêtons. Du gaz. On tire. Bouquet. Ah, c'est un navire à l'eau. Merde. C'est pas du navire. Ah, j'ai cru que c'était... On nous tire dessus. Allez, on te rame. Allez. Accrochez-vous. Tirez. On nous tire dessus. On tire. Bouquet. Allez, on te rame. On tire. Reprenez-vous. On tire. Allure de rame réduite. Allure de rame. Ils attaquent pompés. Il faut les arrêter. Ne les lâchez pas, mes vieilles crapules. Nous les briserons ou ils couleront en même temps que nous. On tire. Allez. Okay. On tire. Plus vite. Bah, excuse-moi, mais c'est un peu compliqué, là, de pas attaquer les navires de nuit. On va les éprôner. Plus vite. Voilà, alors là, du coup, on a plus de... Voilà. On nous tire dessus. Abritez-vous. Souquez, les gars. On nous tire dessus. Allez. Ils nous ont eu. On s'en fout qu'est faire. On tire. Il en reste un. Allez. Ah, désolé, je me concentre. Méfie-toi, vieillard. Je suis plus doué pour me battre. Ils vont par le fond. La partie est gagnée. Bien joué. Bon. Allons voir ce Métrocoïtès. Je ne me suis jamais retrouvé face à l'un de ces généraux romains. Quoi? Ne me dis pas que tu aimes ces enfants de putain! Le langage, s'il vous plaît. Alors, du coup, ça donne une certaine dimension, mais c'est juste que, ben voilà quoi, c'est un peu. On n'a pas l'habitude! Voilà! La guerre civile ravage l'Égypte et une trirème de mercenaires vient à mon aide. En plein conflit avec César, c'est étrange tout de même. Parades, qui êtes-vous? Nous aurions pu te laisser mourir! On est juste sympa, nous. Remercie-nous. Pompeius Magnus. Salutations et bienveillance de la reine Cléopâtre. Mm-hmm. Cléopâtre offre de l'or pour s'assurer mes faveurs une fois que j'aurai Rome.
Est-ce là toute la bienveillance de ta reine? Quel visage vois-tu sur cette pièce? Les Romaines ont-elles droit à un tel honneur? Une alliance avec Cléopâtre est une véritable union de pouvoir. Elle ne veut pas d'un simple allié. Elle cherche un roi. Regardez comment elle sait bien parler, elle. Précieuse, alors. J'aime bien. Entendu. Ma flotte fera bientôt voile vers l'Égypte. Bon, dans la vraie histoire, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, hein, on le sait, mais... C'est tout aussi intéressant. Bon, du coup, la bataille navale, vraiment, c'est un truc, voilà, il faut aimer. Moi, je trouve que ça donne une autre option, en fait, au gameplay, je trouve ça sympa, en vrai. Après, c'est vrai que des fois, c'est un peu long, mais voilà. Une fois qu'on a bien compris le truc, en vrai, c'est pas mal. Et c'est parti. Donc là, on était sur l'eau, on se retrouve sur l'eau, c'est pas mal. Je sais pas si on va continuer avec elle ou pas, j'en ai aucune idée, les amis. Mais écoutez, on verra bien ça. Comment ça, bing. Alors nous, on se retrouve ici. Il y a quelque chose à collecter là-bas. Ce qui est tout aussi intéressant et sympa d'avoir. Le virus caché, il est là. Alors, dans le sud-est, non, Dimon repose un vaisseau dressé. Si tu attends jusqu'au matin, une croix marquera ma cachette. Très bien. Rabené? Donc, on se retrouve dans la peau de notre cher Medjay, c'est parfait. Au moins, on peut faire toutes les quêtes, hein, mes amis. Je crois qu'on peut explorer la rive orientale du Nil. Et si on suit la principale. Voilà. En fait, on va faire comme le premier, on va essayer de suivre la quête principale, les gars. Ok, donc il est par ici. Parfait. À travers le désert, on adore. Alors, non, c'est pas ça. Je me trompe à chaque fois de touche, c'est infligeant. Alors, du coup, on va faire le reste en chameau. Donc c'est bien, on a déjà tué du coup le scarabée. Maintenant, on va se faire la hyène. Voilà, on va découvrir. Qui se cache derrière ce pseudo.
Et qui fait du mal? En fait, à ces pauvres villageois. Parce que là, on voit tout de suite, hein, on sent tout de suite que l'Égypte est vraiment sous cette régie où elle est divisée. Parce qu'à cette époque-là, il faut savoir que Rome avait une très très grande emprise sur l'Égypte, chose qui n'est pas tellement le cas ici actuellement, mais... Enfin, chose qu'on remarque en fait dans le jeu. Mais on voit que Cléopâtre, elle essaye de vouloir changer tout ça. Hein. Donc on est vraiment sur une option où ça se sent. On souhaiterait... Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il fait vla chaud, les amis. J'ai trop trop chaud. Vraiment, je vous le dis sincèrement, j'ai grave grave chaud. Et pourtant, je suis avec mon ventilateur et tout, mais. C'est un délire. Je veux débusquer la hyène. Je dois aller parler à Meren, l'homme d'Apollodorus. C'est un négociant qui se trouve quelque part sur ce marché. Pardon monsieur, mais vous êtes un peu dans mon passage en vrai. Voilà. Ah, où est-ce que je dois passer pour... Ouais. Et la porte? Y a pas de porte? Ah. Voilà, elle est là. Quand on cherche, on trouve... Salut toi, tu ressembles à beaucoup de monde. Bienvenue chez Meren, voyageur. Alors, qu'en penses-tu? Rien. Alors va-t'en. Ah, eh ben, sympa. Mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire, au sujet de la hyène. Eh ben. C'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Il abuse lui aussi, hein. Ben, je crois qu'on n'a pas le choix, hein, en vrai. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène, ce n'est pas son vrai nom. Ça, on s'en doutait, merci beaucoup, monsieur. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est... Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Il campe dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Bah parce que c'est un petit margoulin. C'est pas ce que je te dis. Si Apollodorus veut que je continue à le servir. Alors attendez, je suis en train de... changer mon titre de stream et en vrai... Oh mince, y'a pas de hyène. Oh, je suis dégoûtée. Il n'y a pas de hyène. Voilà, comme ça, il est plus d'actualité. Et du coup, là, je crois qu'on n'a pas trop le choix d'aller trouver tout simplement. Attendez, moi je veux juste aller. Ah, merde. Ça allait trop vite, je voulais juste voir si ça fonctionnait en vrai. Là ça fonctionne. Déplacement rapide, vraiment. En délire. Alors. Du coup, on va piquer un cheval. Parce qu'on est très sympa.
Wow. Ils viennent avec nous? Vous croyez? Non. Ils vont nous suivre? Bah oui, qu'ils vont nous suivre en fait. Il a dit oui, prenez deux de mes hommes et ils viendront vous aider. Bah, allez-y, c'est parti. Tu es un ami de Mered? Pas vraiment. C'est un allié nécessaire. Un allié nécessaire. Les alliés de Mered sont rarement des protecteurs. Ils se méfient des autorités. Mais ils payent bien. Ça, tu m'étonnes. Et avisés, rares sont ceux qui payent. On ne peut faire confiance à personne. Que savez-vous sur la hyène? Celle qu'on nomme Kalisset. Nous irons les nourrir, les hyènes. Si nous parlons. Allez, ouvrez l'œil. Il faut qu'on retrouve ce cheval. Quoi? T'aurais pas dû venir ici. Hey. Wow! Descendant. Peut-être aller un peu trop en mode YOLO. Allez, merci. Allez. Par contre, la caméra. Voilà, lui il est mort. Ok. Hein? Mais que... Oh! Ah, bah c'était pas lui, mais c'est pas grave. Dégage, 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 dégage. J'ai la cible en vue. Ouais, bah... ou pas. Je fais des zigzags, ou pas. Ah non, je suis désynchronisé. Ah, c'est pas vrai. Désolé, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'avoue, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Je vous demande pardon. Alors, en vrai, ça va, tu nous fais un slowdown, ça se passe comment? Genre, le mec, il a glissé. Le bug ultime, on en a qu'un de mec avec nous? Non, ils sont deux. Très bien. Alors, on va passer par les hauts, parce que je crois qu'on n'a pas le choix de passer par les hauts. Voilà. Et on va faire la chose un tout petit peu mieux. Alors, ok, il y a trop de monde. Ok, moi je veux juste... ok. J'essaie juste de repérer les soldats, parce que en vrai, eux... Voilà, le nombre. Ils sont pas très nombreux, mais comme ils ont la force et l'avantage d'être plus nombreux. Alors lui. Les gardes sont très vigilants par ici. Oh.
de serpent, on adore. Vraiment, on n'a vraiment pas le choix en fait. J'ai essayé de faire gros tas, mais on avance rapide du gros tas. Bouge tout le temps. En fait, faut la faire stratégique, hein, les gars. On est obligé. Il bouge tout le temps. Il en a pas marre. Ah, bah lui, il m'a nous avis. Ah. Hop, ils nous ont pas vus, lui non plus. Ah. Ah. N'espère pas t'enfuir. Il est où mon... Ah merci. Ah oh, merde. Inutile de fuir. Ah mais non, mais ça c'est mon allié. J'attaque mon allié, moi je crois. Voilà. Que suis-je bête? Alors, il est où? Mes alliés? Ah non, mes alliés ils sont morts! Je suis toute seule! Hey! Non, non, il m'a rien vu. Ah, puis en plus, c'est. Hein, mais que. Ah putain. J'aurais pas dû venir ici. Putain, dégage de là, dégage de là, dégage de là, dégage de là, dégage de là. Parce qu'en vrai, t'es juste nul. Voilà. Voilà, merci. Prends un peu de vie parce que. Est-ce que tu peux. Merci. Non, c'est pas celui-là. Hey! Oh non! C'est une blague. J'avais pas vu, excusez-moi. Bon. En vrai, c'était pas la mauvaise situation, mais c'était pas la meilleure non plus. Mais je crois que je vais reprendre aussi avec le fait tout simplement de passer incognito parce qu'en vrai. Alors, vous êtes avec moi, un nous, ok, d'accord. Attendez. Tac, 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 tac.
Tac. Y'a personne ici. Ah si, y'a quelqu'un là. Voilà. Tous là-bas, je pense. Très bien. Je vais devoir être prudent. Ah, notre cheval est là-bas. Ok, très bien. Par contre, ça t'attend. Merci. J'ai plus de munitions. Des Uber. Ah. Ah, très bien. Vas-y. Par contre, l'évitement, t'as le droit. Je vais détriper ça. Voilà. Voilà. Il faut juste pas qu'on aille devant. On est combien? On est 3. On est toujours les 3. Parfait. Moi, je voudrais bien un peu de la munition. Coucou, Yamé. T'inquiète pas. Et puis, t'excuse pas pour le retard parce qu'en vrai, t'es pas en retard. Normalement, j'aurais dû commencer à 15h. Je suis arrivée uniquement. Avant, donc. Ah non, il m'a vu. Je te tiens. Quoi? Ok. Toi, tu vas crever. Ok. Merci. Il est ouf, ce trou du cul. Là, il monte là. À court de munitions aussi? Récupéré, merci. Maintenant, moi, je voudrais des arcs et des flashs, ce serait sympa, mais apparemment, on en a plein. J'ai une bonne nouvelle. Il n'aura bientôt plus de problème. Tu aurais dû profiter de tes talents et devenir nul. Voilà. Bah, ça va et toi? Voilà, alors on a sauvé du coup. Hop. On va aider les habitants aussi. Voilà. Par contre, vous allez me faire croire qu'il n'y a aucune flash ici. Ça a été le taf? Soit dit sans passant. Alors, nous avons. Voilà. Tac. En vrai, ça va être chaud, hein. Ça doit être le cheval de Mered. Il
a omis de me dire que ses clients étaient des brigands. Vous croyez qu'on peut aller là depuis l'arrière ? C'était la reprise après le week-end de 3 jours, donc compliqué. Ah bah tu m'étonnes. Non. Vous avez eu du monde. Je me demande si... Ah oui, on peut passer par l'arrière comme ça. Aria, t'es sérieuse? Désolée pour les chiens, je ferme mon micro. Ça va, le son il bug pas trop. Désolé, c'est juste que quelqu'un rentrait. Donc en vrai, je voudrais vous épargner les aboiements de chien. C'est juste insupportable. Tu avais oublié de dire que c'était des brigands qui l'avaient. Et une simple omission. Une simple omission, ouais. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, 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 bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. J'espère bien. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi... Ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Tes tâches de rester en vie. Lui, il me fait rire. Tes tâches de rester en vie. Je peux reprendre ton cheval pour partir, du coup. C'est très bien, merci. Engage d'amitié profonde entre nous. Bon, très bien. Donc, du coup, la hyène est une femme. Qui apparemment s'amuse justement à vraiment terroriser les villageois, hein, c'est le cas de le dire. Alors attendez, on va juste découvrir des endroits que Morijuku n'est pas non plus. Comme ça, ça nous fait un peu d'XP en vrai. Le grand sphinx. Plus petit que je ne l'imaginais. Ok, très bien. Il y a une cachette en dessous, c'est ça ? Une entrée cachée. Ah bah. Depuis quand est-elle là ?
Puis la nuit des temps. Voilà. Alors, passage du Sphinx. Du coup, moi qui aime bien tout simplement. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi Nisha, tu allumes les flambeaux. Tout simplement parce que comme ça, je sais par où je suis passée. Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir un passage. Bah oui, ça c'est sûr. Une petite. Alors là, chérie. Voilà. Pourquoi ? Il y a 3000. Ok. Comme ça, je sais. Ça marche, y'a mais à toutes. Comme ça, je sais. Où est-ce que je suis passée ? Si je suis dans le bon chemin ou pas. Etc. Etc. Voilà. C'est sympa, hein. J'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi ça me détend. Regardez. C'est joli, mis à part ça, hein. Le graphisme dans ce. Dans ce jeu est quand même très très différent. Ok. Où est-ce que je peux aller? Ok, ok, ok. J'essaye de pas. Ok, très bien. Oh. Ah. Baraman. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, comme ça. On voit un petit peu. Ça éclaire un peu. J'essaie de regarder voir s'il y a des pièges. Mais je crois pas, hein. Allez, c'est parti. Waouh. Oh, ça, c'est magnifique. Oh, ça, c'est très, très beau. Waouh. Ah, ça, j'aime. Vous croyez qu'on peut allumer ? Ah oui, on peut allumer. J'aime beaucoup. C'est très beau. J'aime bien. Attendez, attendez, attendez. Peut-être que... Je vais essayer d'allumer tous les trucs, voir si on arrive à avoir une vue d'ensemble. Parce que je me dis qu'éventuellement... Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, du coup... Ok, c'est une espèce de voûte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, vous avez vu ça ? Ça, c'est les plans, en fait. Vous savez les rochers là qu'on avait vus dans les premiers dans le premier épisode où on faisait avec le fils etc, le fils prodigue et tout. En vrai là ça vous nous c'est une carte tout simplement de ces emplacements de rochers en fait pour regarder les étoiles etc et tout machin. Donc vraiment il faudra alors il y en a 1 2 3 4 un peu plus haut ici. En fait, il faudra regarder où sont les pyramides. Ah, c'est ça, c'est une constellation des pyramides. Alors ici, là, je suis allée. Okay. Et là-bas, je ne suis pas allée. Okay, donc c'est du sable, très très bien. Non, y a pas de... Ok. La massue lourde, ok, très bien. Et ici, on peut rien faire en fait, c'est une ligne droite. Hein. Je regarde juste un petit peu, mais c'est une ligne droite.
voir un petit peu dans là aussi. C'est dommage parce que si on avait un peu plus de trucs ou de points justement pour mettre du feu, on saurait où on serait. Mais bon, c'est moins grave. Non, c'est pas ici. Voilà, là c'est pour remonter. Ouais, là. Ok. Et là, voilà. Allumer ici. Très bien, nous avons une lance et un nouvel arc, parfait. Très bien, ah j'avais pas vu ça. Très bien. Regardez-moi, j'adore ça. Vraiment, cet effet du feu qui crame la toile. Ça se fait pas surtout, mais je trouve que c'est très beau en vrai. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ok, donc, c'était pas celui-là. Hop. On va aller voir le repère de la hyène. C'est même si je pense sincèrement que on va potentiellement mourir. Mais bon, ça c'est quand même mon humble avis. Voilà, hop. Oh. Ok. Allez. Ok. Voilà. Très bien. Bon. Alors, on a réussi à voir. Une hyène, c'est déjà pas mal. Je sais, j'aime pas trop tuer les animaux, hein, mais dans ce jeu, en vrai, des fois, les ressources, on en a besoin. Et ça, malheureusement, ça en fait partie. Alors, tac, 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 tac. Vous voyez là, vu de haut, en vrai, on a du coup toutes les pyramides ici. Et en vrai, il y a les pierres de méditation là, pour justement voir avec son fils là, les étoiles et tout. Alors, en gros, pour moi, c'est un peu ça, mais bon. Ça, c'est quoi ? On va pas monter tout là-haut. Hein. Là, tout de suite. Maintenant à la seconde. Wow. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on se lance dans une affaire, les gars. On va mourir. Alors, pourquoi est-ce que... Ok. Ils sont combien ici? Ok. Ah, ok, ok. Alors, je vais juste changer les armes parce que en vrai,
On doit changer notre équipement, hein, les amis. Hein. Io importante. Je vais juste changer celui-là avec un autre. Parce que, en vrai. Voilà. Et puis ça, on n'a pas plus puissant. On a que. Allez, tac. Il n'y a que des armes lourdes. Super. Et des lances, là, c'est 43. Ouais, non, mais je... J'avoue, là, je suis un peu perdu, les amis. Hein. On n'a que des armes lourdes, mais moi, j'ai pas envie de me battre avec des armes lourdes. On est lent. Ça m'énerve un peu, en vrai. Ouais, ça, on s'en fout, détournement. Allez, on va aller là-dessus parce qu'en vrai, là, on a de la main, on a de la peine. Hein. J'ai l'impression qu'on a vraiment de la peine. Allez, descends. De la hyène, c'est très bien. Ah. Ouf. Wow, 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 wow. Par contre, t'as le droit, merci. C'est que des hyènes, moi j'ai cru que c'était des humains. Voilà. Allez, vas-y. Allez. Parce que se faire tuer par des hyènes et puis mourir à cause de ça, ce serait bête. Hein. Je vous le dis sincèrement. Allez. Ah. Voilà. Allez. Fabrication petit, merci, mais pas pour l'instant, d'accord. On n'a même pas de flèche, ça devient catastrophique. Au moins dans Valhalla, on a des flèches au moins. Ouais, j'ai plus de flèches. Désolé. Parce que si c'est pour qu'elle nous rappelle toutes ces hyènes, je crois que au moment de Oni, je crois que j'ai pas très envie. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a de la corne, c'est très bien. Alors, attendez. Ta gueule. Ah, non, c'est pas ça. Voilà. Non, on peut aller de l'autre côté. Okay. C'est pour passer sous les rochers, d'accord, très bien.
Anisha, la caméra s'il vous plaît, la caméra. Voilà, très bien. Bref, alors du coup, on va aller par là. Pourquoi aurait-elle enfermé un de ses loyaux serviteurs ? Oh, mais il est con ! Voilà. Il est con, lui. Ah, pardon, mon chameau, mais par contre, je me suis encore trompé. Allez, dégage. Allez, ils vont tous mourir crevés parce qu'en vrai, c'est ça qui m'énerve le plus. Ok. Alors, attendez. Dégage de là en fait meuf parce que mec pardon parce que t'as un tout petit peu un tantinet là voilà tac merci alors pardon en vrai on en a tué quand même pas mal voilà. Les hyènes, elles sont toutes mortes, c'est très bien. Alors, zone d'investigation, c'est parfait. C'est la tanière de la hyène. Il n'y a aucune trace de Calicette. Et pour une fois, Mered ne m'a pas menti. Il faut que je découvre où elle est partie. Alors, attendez. Je vais ouvrir et puis je vais le tuer parce que... Interagir. Parfait. Le tombeau de Khéops. Elle a indiqué chaque fissure. Eh ben, super. Elle n'a pas terminé. C'est là que je la trouverai. Je vais aller vers les pyramides. Bah, en vrai, il est où le gars qui dit pitié de moi ? Voilà. Oh, attendez. Je sais plus. Ok. Reprends ton souffle. Allez, un tout petit peu de. En fait, elle a éduqué toutes les hyènes pour qu'elles soient, en fait, à leur... à son service, quoi. Hein. Par contre, ça m'énerve qu'il n'y ait pas, tout simplement, de... Dark... Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Ah, on peut passer par là, d'accord. Il y a plusieurs passages. Alors, du coup... Elle est effectivement vers ces grosses pyramides, hein, c'est ce qu'on disait. Alors, Moi, par contre, je veux retrouver des flèches, hein, parce qu'on en a pas. Wow. Oh purée, elles sont combien encore ?
Podian par ici.
C'est normal que ça frise. Je sais pas, Yami, excusez-moi. C'est juste que j'ai pas compris, tout d'un coup ça s'est arrêté. Genre, j'ai pas tout capté, je disais genre, bon bah ok d'accord, pourquoi pas. Donc j'ai dû relancer le stream, je suis désolée. Désolée, j'avais une urgence, mais t'inquiète, Yami, vraiment, y'a aucun souci. Donc l'image freeze, je pense que c'est parce que j'étais dans mon menu en vérité, et puis qu'il s'est arrêté là. C'est pour ça. J'ai l'image qui est bloquée, pardon. Ah, mais je pense que c'est parce qu'en fait, j'ai oublié de remettre en fait sur le jeu. Voilà. Et du coup, j'ai profité de ce bug pour attendre que l'information retourne pour pouvoir lancer une machine à laver. Voilà, parce que faire la lessive, c'est aussi important. Streamer, c'est bien, mais faire des machines, c'est aussi important. Bref, voilà. Donc, du coup, nous avons découvert en fait la tanière de la hyène. Donc là, on va partir du coup à sa rencontre, mais moi j'ai un tout petit peu peur qu'on ait pas le niveau, mais bon, voilà quoi. Ce n'est pas grave. Par contre, ça c'est un point de. Oh. Ok, très bien, très bien. On va juste aller faire le point de. Je sais plus comment on appelle ça. De synchronisation. Voilà, je vais y arriver. Et ensuite on va les tuer. Et j'avais ni son ni image, mais là c'est bon. Ok, bah voilà, c'est normal. Juste du coup, c'est quand la réunion du modo, vraiment, Yamé, j'ai envie de te dire qu'on peut le faire très très bien en début de la semaine prochaine. Mais le gros problème, c'est que moi j'ai un modérateur qui est normalement le chef des modos, qui n'est pas tellement là en ce moment. Et bientôt je vais aller lui péter les dents. Parce qu'on attend tous sur lui et sur ses décisions, en vrai. Parce que ben, moi, le but de l'exercice, c'est de vous donner de quoi vous occuper et que moi, je puisse jongler sur autre chose, en vrai. Voilà. Je vais pas te mentir, hein, parce que moi, j'ai rien à mentir. J'ai rien à dire, en vrai. C'est un exercice pour moi d'enlever le contrôle, d'essayer d'être moins dans le... Yo, 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 yo. Ok. D'être moins dans le contrôle, de vous faire beaucoup plus confiance, etc. Mais en vrai, là, c'est vrai que... Parce que enfin, Ace nous a déjà dit en début de fin de semaine passée, j'arrive plus du tout à parler, la chaleur me brise les neurones. Au milieu de la semaine passée, du coup, j'ai déjà annoncé auprès de Frozen qui a dit « Oui, oui, je regarderai. » Et là, vraiment, je ne sais pas. Voilà. Oh, on ne dira pas de nom. Ouais, non, mais c'est ça, c'est rien de méchant. Je sais bien, après, je le dis tout le temps, vous avez votre vie, c'est déjà super gentil de venir m'aider, de venir passer du temps avec moi, etc. Et tout machin. En plus, moi, j'ai de la chance, tu vois, je suis une petite chaîne. On s'en fout, en vrai. Le but, c'est pas de se prendre la tête, mais c'est juste que moi, j'aime le travail bien fait, même que ce soit, entre guillemets, du bénévolat. Et quand c'est mal fait, vraiment, ça peut me mettre vraiment, pas dans tous mes états, mais genre, ça peut me rendre vénère. Ouais, ouais. C'est un truc que je dois travailler sur moi, en vrai, parce que ça s'appelle du lâcher prise. Mais quand je vois qu'à côté, en fait, on se fout un peu de ma gueule... Bah, je m'appelle pas teubé sur mon front, en fait. Et en vrai, c'est ce que j'ai dit à Mimi, là, ce matin, quand... Parce que Mimi aussi, tu vois, elle a sa vie, et elle m'a tout de suite envoyé un message en privé, en me disant, bah voilà, j'ai des trucs perso à faire, et j'ai plus le temps, en vrai, d'être sur ton stream en ce moment. Mais en vrai, tu vois, tu viens de me dire les choses, pour moi, il y a aucun souci. Aucun. Tu viens de me dire les choses, je veux dire, avant que j'aie des modos, je me débrouillais toute seule, hein. Tu vois. Ben moi, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose à me reprocher? Ça s'appelle pas des reproches, c'est des choses à rectifier. Pour moi, il n'y a pas de reproche. Honnêtement, tu vois. Mais ça, ce sera à en discuter avec tout le monde. Mais de toi à moi, il n'y a rien à dire. Voilà, des choses à rectifier, mais le reste, tu vois, c'est pas non plus... Maintenir les... Les duos ont installé un campement ici. Mieux vaut aller voir. Mmh.
Mais voilà, je préfère pas me dire, parce qu'il y a certainement des choses que moi j'ai pas remarqué, que peut-être mes modérateurs ont remarqué, etc., etc. Ou même que toi t'as remarqué des choses que nous on n'a pas forcément remarqué en vrai, tu vois. J'ai pas dit que tu devais... J'ai cru que tu devais descendre. Oui, voilà. Quelques petits gestes. Mais oui, mais c'est ça. C'est trois fois rien, en vrai. Faut pas se prendre la tête pour ça. Mais voilà. Après, je veux dire, tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de méchante. J'aime juste le travail bien fait. Voilà, je suis une personne, honnêtement, j'aime le travail bien fait, j'aime quand c'est carré. Qu'il y a une structure qui soit organisée et correcte. Et à partir de ce moment-là, pour moi, à partir de ce moment où on a une structure carrée et correcte, en vrai, de vrai, moi j'ai plus rien à dire. Si par contre, on n'applique pas ce que je demande... Ou alors on dit oui, vous inquiétez pas, puis tout d'un coup il y a rien. Ah ouais, là ça peut me mettre vénère fort. Tempête de sable. Comment ça, tempête de sable? C'est toi la tempête de sable? Oui, il y a une tempête de sable là-bas, ouais. La lune est très belle, soit dit en passant. Alors, est-ce qu'elle serait en dessous? On va faire le tour, hein. Mais c'est normal, on aime tous que les choses soient bien faites. Eh ben, tu serais étonné, il y en a qui s'en branlent carrément. Je vais pas te mentir, il y en a, sincèrement, ça se posait la question. Ah, mais l'entrée, je crois qu'elle était là-bas, non? Monsieur? Vous croyez? Franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai plus joué à Origin que je me souviens plus de certaines brides. Franchement, je vous le dis sincèrement. Ok. C'est très bien de me dire la situation, etc. Mais c'est encore mieux si tu me balancerais l'entrée, en vrai. Je crois pas que ça soit une entrée. Alors, peut-être que les entrées sont par là. Comme ça l'a été pour je sais plus quoi. Donc ouais, je disais, ouais, il n'y a pas tout le monde qui aime le travail bien fait, hein. En vrai, tant qu'ils taffent et puis voilà, ils font juste leur job, mais genre, le strict minimum, j'en connais pas, hein. C'est du reste, j'en connais plein, mais c'est pas pour autant qu'on est très proche. Parce que moi, j'avoue que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, même très perfectionniste, trop, pour certains. Vous croyez que c'est un piège ou... Non mais pas ça, on s'en bat les couilles, merci. Ok. Donc ouais, là c'est une porte de soin. Ouais, rien, on est obligé de descendre par là. Très bien. Très bien. Personnellement, je ne suis pas perfectionniste, mais j'aime juste que les choses soient bien faites. Oui, bah voilà, tu vois. Mais il y en a vraiment, c'est vraiment du strict minima. Même que ce soit bien fait ou pas, c'est du strict minima. Moi, je suis quelqu'un qui, dès que je donne ma parole... dès que je donne ma parole, genre, je vais pas le faire qu'à moitié, quoi. Mais ça, c'est moi, hein. C'est mon caractère. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut faire comme moi, hein. J'ai pas la science infuse. Hein. Moi, ça m'a mérité un épuisement mental de fifou d'être comme ça. Hein. En vrai, ça m'a coûté cher, hein, l'envie d'être comme ça. J'essaie de trouver l'entrée, mais je crois que je peux aller me faire foutre.
sable avec lui. Ok. Là, c'est le tombeau. Oh, super. Moi, j'avance pas, là. Je suis là, comme mon golito, à me dire, putain, elle est où, cette entrée? Allez, frérot. Go se faire foutre. Ah là là. Et puis sinon, qu'est-ce que tu racontes de beau? Oh, j'avais pas vu la cinématique où il est épuisé puis il n'arrive plus à courir. Ah ça c'est sympa en vrai. Des hyènes. Kali 7 doit être à l'intérieur. Ouais. Ouais. Oh, après. Ouais, vas-y. En fait, lui, ce que j'aime pas avec ce personnage, c'est qu'il est juste très lent. Allez, je t'ai demandé de tuer celle-là. Merci. Merci. Voilà. Ah, vas-y. Voilà. Puis c'est pas visé par la même occasion. Vas-y, t'es ouf. Voilà. Il est parti à l'autre bout de la terre. Bah écoute, hier soir c'était la mer. Je t'expliquerai en vogue si tu veux. Je suis rentré genre à 3h du matin. Du coup, je suis explosé, mais sinon ça va. Waouh! 3h du matin? Mais t'as foutu quoi? Toi! Non, qui ose entrer ici où le silence est de rigueur pour elle? Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver. Tu peux te cacher, Yen, mais ce tombeau ne te protégera pas. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée. Il n'y aura pas de pardon pour Siwa. Vous avez vu ce château quand ça fait ça? Bah, j'aime bien parce qu'on a l'impression que vraiment elle est à côté de nous alors qu'on sait pas où elle est. Hein. Allez, on allume ici. En moralité, ah oui, là c'est un truc qui continue. Très bien. Et ici on peut passer, non? Ah, mais vas-y! Bah écoute, oui, si t'as envie de me le dire, pourquoi pas. Après, si t'as pas envie de me le dire, je le comprends aussi parfaitement. Où est-ce que je dois aller? Je ne sais pas. Peut-être par là, Anisha. Pauvre idiot, je suis Izette, maîtresse de la magie. Ce lieu est la demeure des dieux. Quel mauvais tour est-elle en train de préparer? Juste un tour de merde en vrai. Voilà. Alors attendez, parce que là c'est une zone... Hop là, c'est grand quand même, non? Juste pour un maudit trou. Je vais juste voir... Ok, récupérer. Genre les flèches, on avait que ce qu'ils nous ont donné. Ok, super. Mais écoutez, pour moi, il n'y a pas de souci. On doit aller là-dedans, je suppose. Et ouais, on doit aller dans le trou. Va-t'en! Nul ne doit déranger Osiris! Bah, toi, déjà, t'as commencé par la déranger parce que cette t'es venu ici. Piégée. Qu'est-ce qu'elle protège? Mécréant! Celui qui est éveillé dort! Si tu fais encore un pas, ton sang irriguera ces plaines arides! Waouh, regardez-moi ça, c'est trop beau, soyez en passant. Magnifique. Quel est cet endroit? Un tombeau en dessous d'un autre. Ah!
C'est ici que tu te caches, Yen ? Explorer les pyramides à recherche, examiner le tombeau mystique en dissimulation, le secret de Kalisset. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc nous sommes en fait sur une nouvelle interface qui est vraiment, soit dit en passant, incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça brille ? Ok. Très bien. Waouh, c'est magnifique. J'aurais jamais... Quelle folie, c'est ton livret ici. Encore chaud. Et ce couteau cérémoniel. Un sacrifice. Ouais, super. À quelle horrible folie s'est-on livré ici ? Dans ce lieu obscur ouvert au regard des dieux. Quel genre de rite peut-elle exécuter ? Un rite que t'aurais pas envie d'être là, je pense. Attendez, je vais juste collecter un petit peu les richesses et tout. Sauf si je peux pas les collecter, merci. C'est très beau ce livre en passant, j'aime beaucoup. Hein. Alors, on avait une pépite ici. Voilà. Allez, la moula, parce que moi. J'aime bien. Peu m'importe. C'est des constellations, Kalisset, ça, non ? Qui a tracé ces symboles. Essayait-elle d'en découvrir le sens ? Oh ben c'est... certainement. Ce sarcophage est décoré de déesses de la mer. Il est couvert de symboles étranges. Ouais, on dirait qu'on vient tout droit d'une autre planète, mais bon, ça, c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est un rituel et tout. Ici, la zone d'investigation. En vrai, ça c'est quoi aussi ? Ah, ça c'est pour quitter le tombeau. Ok, très bien. Bah non, entrer dans la zone d'investigation. Très bien. Retransmission, segment 3. Acquisition de contemporanéité. Justement, tu fais quel code ? Mais ce sera quel code ? Ah, c'est le. 95 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Vous devez vous demander pourquoi j'ai voulu vous parler. C'était écrit. Voyez-vous. Vous alliez venir dans cette salle, à ce moment précis. Les murs ont annoncé votre venue, à notre époque. Regardez-les. Ne sont-ils pas fascinants ? Oh, ne leur fichez. J'ai pas tourné la caméra comme une histoire tragique. Une histoire retranscrite sur nos structures, sur nos artefacts. Une histoire inaccessible. Un mystère qui nous met au défi. Nous avons essayé. Nos chercheurs, nos scientifiques, poètes et physiciens, brillants esprits, cœurs rebelles. Ils se sont donné tant de mal pour changer les choses. Nous avons tous échoué. Alors du Nul coup, je vais changer nos découvertes. Lamy, je vais certainement peut-être déplacer le stream le soir, soit si tu t... parce que il y a les filles qui m'ont demandé si je faisais un truc et puis ça faisait un moment que je les avais pas vues. Nous savons qu'elles parlent. Mais peut-être, hein, c'est pas sûr, mais oui, tu peux tout à fait rejoindre, oui, tout à fait. De celui qui reste. De toute manière, c'est pour jouer avec vous, hein, donc chaque personne est invitée à venir. Nous n'avons pu altérer une ligne. Nous n'avons pu ajouter un seul point. Tout était clair. Nous serions au mieux des messagers. Mais des messagers pour qui ? Pour vous. Nous avons renié notre capacité à lire ces histoires selon votre modèle. Une porte est aussi une énigme. Nous devons trouver jusqu'à 23h. Ça marche. Tels furent les mots de Brutus lorsque nous avons visité la crypte sous le Colisée il y a plus de 2000 ans. De toute manière, ce genre de choses, je vais en faire.
il a dessiné du mieux qu'il le pouvait. Mais il n'a pu voir. Tout comme vous êtes aveugle, vous pouvez lire vos montres, vous pouvez lire vos sabliers et vos calendriers. Mais vous ne pouvez aller au-delà de cette surface simpliste. Pour l'instant, la lecture du temps vous échappe. Et aujourd'hui, le rideau est tiré, et bras aussi, est révélé, tragique et complète. Coucou Mimi, comment vas-tu ? Ces murs que vous ne lirez peut-être jamais. Des événements futurs tels qu'ils sont écrits. Mais quelque chose, un élément doit changer. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Je passe juste le temps que le Grimlis fasse dodo, ça marche, y a pas de souci. Le lecteur n'a aucun pouvoir. Il n'est qu'un observateur. Mais l'auteur. L'auteur invente l'avenir. L'auteur possède le futur. Ok. Un avenir où Raoul sont évités. Un avenir où un être aimé peut être ressuscité par l'écriture d'un nouveau chapitre. Un avenir où l'humanité est bien plus qu'elle n'est aujourd'hui. Un avenir où nous pourrions peut-être continuer à exister ensemble. Bah, je sais pas ce que t'es... Ouais, très bien. Bah c'est trop gentil en vrai, merci. Ok, il y avait des choses à dire. Hein. Ok. Les offrandes à Osiris, le protecteur des morts. Je crois avoir compris ce que Kalisset cherche à faire ici. Kalisset exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins. Elle a essayé d'apprendre ces étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle. Dès qu'elle a appris les symboles, elle les a gravés ici. Et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Kalisset devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici ? Son amant ? Ben... On va ouvrir le sarcophage. Hein. Attendez. Il y a des lumières par là. Moi, je veux juste voir. De toute manière, on va pouvoir passer par là, non ? Bon, bref. Vous savez quoi ? Ah, demain, il y a le jeu de... de Call of, justement. Mais comme j'ai dit, peut-être que je vais le déplacer au soir. J'ai pas de console. J'imagine bien, en effet, Mimi jouer à Call of. Mon enfant ! Tu as perdu ton enfant ? Non ! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'ordre. Ravagez ce tombeau. Kalisset ! Ne prononce pas mon nom ! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré. Trop stressant parce que je prends moi. Mais non, bébé ! T'inquiète pas. Et disparition ! Tu ne peux rien contre moi, chien ! Il y a une table à temps ancienne par ici. Oh, attendez, parce que moi... Donc elle a perdu son enfant et elle a décidé du coup bon, la tablette ancienne elle peut aller se faire mettre.
Ah, mais c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à la pousser là. Ok. Ok. Tu n'es pas différent de ceux qui t'ont précédé ici. Tiens, affronte-moi si tu y tiens tant. Ton sang servira à la résurrection de ma fille. Trop bien. En vrai, stress, ça m'a gonflé. Ah oui ? Pourtant, c'est trop chou. Bon, moi, j'ai pas ce jeu, mais je trouve ça trop mimi. Oh, vas-y, grave. Allez, roule-toi. J'ai plus de vie déjà. Eh ben. Ouais. Le vent va faire tournoyer le sable. Ah, munitions complètes. Ah bon, on est sur des munitions complètes. Ah non, on va aller là-bas dans la... Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille. Apprends juste à viser. Je te propose juste. Alors, où est Calicette? Ça, c'est une bonne question. Alors, elle est là avec... Ah oui, elle arrive à me toucher, mais moi j'y arrive pas. Nique ta mère, tu sais quoi? Merci. Pardon. Attends, protège-moi de ce profanateur. Je suis venu pour toi, Yen. Inutile de mêler les dieux à ça. Les dieux ont été bafoués. Tu as souillé. Le lieu où repose Eché. Tu cherches à accomplir l'impossible, Calicette. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. Alors ça, c'est sûr. Même si on le voudrait. Ah, elle est là-bas. Surtout ne pas me perdre. Oui. Surtout rester... Waouh! Vas-y. Non. Dégage. Par contre, tu veux mourir, Lion? Attendez, j'ai un petit bug là. Salutations, Nola! Comment ça va, Nola? Est-ce que tout va bien, Nola? Est-ce que tu as passé une belle journée, Nola? Waouh! Dégage! Merci! C'est dommage parce qu'on peut pas se défendre en vrai. Allez, hop. C'est tout ce que ça lui a fait, c'est une blague. Ta gueule. Elle est où? Elle est là. Voilà. Oh! Vas-y, dégage de là! Je sais pas s'il aime pas... Éviter, il a un gros problème d'évitement, ce mec. Allez. Derrière. Allez. Oh, t'es. Tu peux. Merci. Non, si je te réponds pas, c'est que je suis un peu occupée à me faire dégumer le cocotier. Voilà. Oh là là, mais elle est où? Vas-y. Calme-moi ça. Pourquoi je la trouve pas en vrai? Oh, vas-y. Me sera rendu
seuls les dieux étaient là avant. Certains sont venus entre les dieux et nous. C'est leur cadeau. Alors elle est où? Elle a l'air en dessus, hein, c'est ça? Voilà. Vas-y, parce que toi, tu me saoules, en vrai. C'est Yann, là, par contre, elle me saoule ou à rien. Par contre, moi, je veux bien qu'il me... Ouais, je vais crever, hein. Je vais crever. Je vais crever, mais sévère, sévère, sévère. Ah, je me fais... Ok. Ok, bah, vous savez quoi? Bah, donnez-moi de la vie. Et puis tuez-moi, c'est Yann qui s'appelle tuer quelque chose. Voilà. Oh pardon, j'avais pas vu. Merci Mélissa pour le raid. Coucou, comment ça va? Oh, j'avais pas vu. Bonjour madame. Comment allez-vous? Attendez juste deux minutes parce que moi j'ai pas du tout envie de me faire tuer, mais comme d'habitude on se fait tuer. J'avais pas vu, comment ça va madame? Est-ce que vous avez bien stream? Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? On peut dire que tu dégustes ta défaite, tu parles de qui là? Attendez juste un petit instant, je suis désolée, je suis obligée de faire un rappel, j'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi, j'espère que ça va. Bon allez, on va essayer de se faire éviter de démonter la gomme-gomme. Parce que en vrai, elle est horrible. T'es horrible, madame. Voilà. T'es où? Je sais pas où elle est. Faut suivre ses flashs, en fait. Elle est là-bas. Par contre, ces hyènes, elles peuvent crever sans autre, hein. Et puis vraiment crever, genre. À l'endroit. Attends. Mais vas-y. Protège-moi de ce profanateur. Je suis venu pour toi, hyène. Inutile de mêler les dieux à ça. À court de munitions, c'est une blague, j'espère. Tu as souillé le lieu où repose Échée.
Tu vas connaître le même sort que tous les autres intrus. Tu mourras de ma main. Allez. Tu cherches à accomplir l'impossible, Calicette. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. Mais vas-y. Dégage. Par contre, il n'y a pas de moyen de se défendre contre la hyène. Genre, on se fait de toute manière mit pack à la gueule. J'espère que c'est une énorme blague. Si jamais je m'égare. Vous voyez ? On se fait de toute manière mimique-maquer la gueule. C'est quoi ce jeu de merde ? Allez. Tu lui as rien fait, tu lui as fait un chatouille de sa mère la pute. Allez. Oh. Par contre, c'est normal qu'il n'y ait pas de flèches à disposition dans une zone de bataille. Non, non, mais il n'y a pas de souci pour moi, en vrai. Ah bah oui, hein. Ma fille me sera rendue. Mais ta gueule. Mais dégage. Une attaque de Vega. Faut arrêter avec... Les pauvres vegans, ils ont rien demandé. Ça peut être aussi une attaque végétarienne, hein. Yamé. Bah, c'est origine, hein. Ah bah oui, on avait vu... Mais c'est bon, calme-toi, laisse-moi le temps d'arriver, de reprendre ma manette, voilà, de faire en sorte que lui, il esquive parce que c'est pas... Dégage, 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 dégage